Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois, je vais vous parler d'un jeu que j'ai téléchargé sur mon téléphone. C'est Prize Blast. Alors voilà, c'est un jeu que je viens de télécharger, que je vais découvrir en direct dans cette vidéo. Je sais pas à quoi ça correspond. Alors je sais pas s'il faut revenir. Ça, ce sont les menus. Bon, on va aller activer ce jeu. On va voir si c'est sympa. Je vais voir si y a quelque chose à en faire. Alors, le village des pirates, 1 sur 9, niveau 1. 1 point par case. Bienvenue, salutations Moussaillon, bienvenue dans Prize Blast, suivant, on va voir ce que c'est. Je ne sais absolument pas quel est le thème de ce jeu. Ah, il y a des gagnants, ou des gagnants qui gagnent de l'argent. Alors ça, bon, quand on promet des gains, c'est assez... voilà, on va voir si quand même le jeu est sympa, toi de gagner ton cadeau, jouer. Alors, niveau 1, ramasse des cases jaunes, x8. Ah oui, c'est sympa, c'est assez addictif, il faut cliquer sur les cases jaunes, ok. Voilà, et ça va les prendre par bloc en fait, hein. Donc on va cliquer sur les cases jaunes, ils sont ici, ok, donc en fait, oui, et puis ça fait descendre toutes les autres cases, donc effectivement, bon, on va remplir l'objectif, et hop, je réussis le niveau, ouais, c'est plutôt sympa, ça c'est un jeu qui est plutôt, ça peut être vite devenir addictif. Alors, ta chasse au trésor débutera dans cette victoire, ok, on verra après, donc effectivement... Ah, c'est sympa. Alors, ramasse des cases bleues. Et il y a un objectif, en fait, à chaque niveau. Et des cases rouges. Alors, on va commencer par les cases rouges. Hop. Il n'y va pas. Ah, maintenant, les cases bleues. Alors, on va faire celle-là. Après, comme ça, je vais pouvoir... ouais, je vais pouvoir prendre les rouges là. Et après, les bleus ici. Et voilà. En fait, ça fait descendre à chaque fois qu'on clique sur des couleurs. Il faut en sélectionner quand il y en a plusieurs. Ça fait descendre le reste. Donc, hop, récolter. On va continuer. Niveau 3. Alors, niveau 3, là, des cases jaunes et des cases mauves. Allez, c'est parti. Alors, on va commencer par les cases... ces canons détruisent une ligne entière. Ah, ok. Il y a des canons qui peuvent détruire une ligne entière. On va voir ce que ça donne. Ah oui, d'accord, ok. Ça, c'est... une colonne entière. Donc, ça fait tout descendre d'un seul coup. Donc là, allez, on va aller prendre les violets en premier. Après, non, il manque 3 violets. Et les jaunes, là j'aurais dû prendre l'autre, j'en ai eu un plus de, un bonus plus gros, non, bon ça c'est pas grave. Et oui, et puis ça dit le nombre de coups qui restent, ça additionne des points, alors ça va être à découvrir. Bon ça c'est vraiment la première vidéo de Prize Blast, c'est une découverte hein, du jeu. 5 cases jaunes, 10 cases mauves, 5 cases vertes, bon on va voir, allez on va commencer par les jaunes ici, bam. Pour créer une bombe, hop. Voilà, et puis là, je peux valider la bombe, et ça fait tout descendre, d'accord, ok. Allez, on va prendre les mauves. Je vais enlever les bleus, enfin, et on va... Ah, d'accord, ok. Et on va faire celle-là aussi. Ok, c'est plutôt sympa. Après, voilà, je suis un score de 281, 308. Bon, le score augmente plus vite, on va récolter. 4 victoires. On va voir ce que c'est que la chasse au trésor. Niveau 5, allez, des cases jaunes et des cases mauves, c'est parti. On va commencer par les cases jaunes ici, et après je vais prendre les mauves. Voilà, voilà, c'est, on va faire ça. Une méga bombe, et là je valide le niveau. Ah, je vois qu'il y a un petit cochon ici avec 0 dollars. Je pense qu'on peut gagner, enfin on peut récolter de l'art dans la caisse, on va voir. Je vais faire les 8 niveaux, on va voir ce que ça donne. Ok, allez, c'est parti. Qu'est-ce que c'est ce petit cochon? Clique sur le cochon pour une surprise. Allez, on va cliquer dessus, on va voir. Cache mode. Ah. Casse les cases voisines pour exploser pour une tirelire. Pour exploser une tirelire. Alors, les cases voisines, on va casser ce qu'ils disent. Ok, c'est parti. Ok. J'ai 30 secondes, on va faire ça. Et on va exploser ça. Voilà, bon, j'ai explosé, j'ai récupéré. 4-4-4, voilà, 12 dollars. Bon, c'est une cagnotte, hein. Est-ce que c'est du vrai? Est-ce que c'est pas du vrai? Bon, souvent c'est du faux. Ça va être à vérifier. En tout cas, moi je vais tester déjà le jeu, hein. On va continuer. On va faire ça pour hop, machiner ça. Et puis je vais activer la bombe. Méga bombe. Comme ça je gagne le niveau. Moi ce que je veux, c'est arriver. On va voir, on va avancer. Alors, c'est très addictif. Prize Blast, ça s'appelle. Prize Blast, vous trouverez le nom ben, sur la description de la vidéo, bien sûr. C'est un jeu qui est c'est plutôt sympa. Moi, j'aime bien ce type de jeu parce que voilà, ça passe le temps. Clique sur un couple de super pièces pour créer un combo. Ok. Et voilà.
Donc là, c'est ça fait un peu penser à d'autres jeux qui ressemblent à ça. Waouh, super combo. Bon, il reste ça à valider. Alors, j'imagine que plus on avance et plus c'est difficile. Là, chasse au trésor récolté, je suis à 7 sur 8. Puis je vois qu'ici, niveau 8, il y avait un 8 sur 9 à un moment. Allez, on va ramasser. Alors, c'est quoi? 15 bleu clair et 15 bleu foncé. Ok. Qu'est-ce que je vais faire? On va faire celle-là. On va faire celle-là. Voilà. Oula, il y a du. Et puis ça. Voilà. Mission accomplie, niveau 8. En plus, je grille toutes les cases. Bam. 8 sur 9. Je ne sais pas pourquoi 8 sur 9, il y a autre chose. Alors voilà, j'ai la huitième récompense. On va voir ce qu'on récolte avec le pirate. Félicitations. Ta chasse au trésor débute. Débuté. Et qu'est-ce qu'on a? On chasse au trésor. Alors, construis ton bateau pour trouver le trésor. Améliorer le bateau. Donc à chaque fois, on va construire effectivement améliorer. Ok. C'est plutôt sympa. Hein. C'est vraiment addictif. Hein. Étape 1 terminée. Ok. Et après, voilà, on avance. Ah, construis ton bateau. Et après, on peut avancer dans le jeu. Ok, compris. On va voir si on peut l'améliorer encore. J'ai 7 points. On peut aller mettre la plateforme, la proue, l'encre. Alors, améliorer l'encre. Hop. Et puis on peut le faire en fait à chaque fois en fait. Il me reste 4 points, on va améliorer la proue. Et on va améliorer encore la plateforme pour passer à l'étape suivante. Donc ouais, c'est quand même sympa. Voilà, étape 2. Bah là je peux plus rien faire, de toute façon il va me dire que j'ai plus de points, j'ai plus qu'un point. Donc là c'est plus suffisant, il faut valider des niveaux. Donc on va sortir de la chasse au trésor. Et pourquoi il y avait sur 9? On va aller voir. Alors, le village 9 sur 9, niveau 9, un point par case, ok. Donc en fait, là, je suis au niveau 9, c'est le dernier niveau. Voilà, ok. Donc là, il y a du lourd. Cliquez sur le cochon pour une surprise. Allez, on va recliquer sur le cochon pour une surprise. Cache mode. Ah, d'accord. Donc quand le cochon apparaît, on arrive dans cache mode directement. Allez, hop, on va aller valider ça. Il faut les faire exploser. Donc, ok. Est-ce que ça, je peux. Voilà, j'en ai fait exploser un. Là, on va faire comme ça. Et de deux. Donc j'ai un certain temps pour récupérer les cochons. Voilà, hop. Et je grossis ma cagnotte. Je ne sais pas à quoi ça va servir. Un deuxième groin. Ah. On va fabriquer un deuxième groin. Clique sur le. Ah, ok. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Ah oui, quand même. D'accord, ok. Oh, il reste deux. Bon, allez. Et celui-là. Voilà, mission accomplie. Donc j'ai réussi les 9 niveaux. Donc on va voir ce que ça donne. Ah, 24,68 en cagnotte, je sais pas, ça a augmenté. Je sais pas pourquoi j'ai. Pourquoi 24 maintenant? Oh, il y a eu un bug là, c'était marqué 24,68, maintenant 24. Bon, ça c'est pas. Alors, récolter une bouteille. Comme d'hab. J'en suis à 2. Et 3 points par case, l'île des tortues, niveau 10, 3 points par case, et donc là on change de catégorie. Et là, si je franchis ça, je suis à x2 après, sauve la tortue. Donc là, j'ai 17% en score. Si j'arrive au truc, j'aurai x2 en termes de bouteilles. Les cases sauver la tortue, d'accord. Ok, et hop, on sauve la tortue. Ok, j'ai compris. Donc c'est vraiment sympa comme jeu, Price Blast, les amis. Récolter, donc on récupère des bouteilles, on va pouvoir avancer dans les niveaux. On a une cagnotte dans le cochon, je sais pas à quoi elle sert. Je vais aller voir dedans ce que c'est. Je valide juste ce niveau et on va aller voir ce que c'est que cette fameuse cagnotte. Alors je vais faire comme ça et puis là je vais enlever d'un coup. Voilà, faire exploser le bazar. Puis en plus j'augmente en pourcentage, je suis à 28%. Vous voyez, après je serai à x2 en bouteilles, donc je pense que il y a un intérêt à augmenter en pourcentage. Parce que si j'arrive à 100%, je suis à 36%. On va faire un nouveau niveau pour voir ce que ça donne. Ah! Je vais prendre le cochon. Alors, bien cliquer sur le cochon quand il apparaît, parce que je pense qu'il doit y avoir un avantage après à valider tout ça. Oulala, comment je vais valider tout ça pour faire exploser tout ça? Bon, on peut pas. Allez, on va y aller, on va faire comme ça.
Hop. Ok. Ouais, c'est chaud patate là. Voilà. C'était chaud patate, parce qu'il n'y a quand même que 30 secondes, hein. Donc, voilà. 36. Donc, je vais valider le niveau. On va voir, je suis à 37% maintenant. Donc, effectivement, 38%. Hop, on va faire ça. Et ça. Et puis là, hop. Et puis, on va aller tout balayer. Je suis à 46%. Donc il y a quand même une belle progression à avoir. C'est quand même sympa, 47%, voilà. On va. Ouais, ça me mettait 37,03 et je suis à 36. Bon. Il y a un petit bug, je ne sais pas du tout. Allez, récolter. Alors, on va aller voir le cochon. Information. Il y a information. Gain de cadeau. Vous avez des questions au sujet des gains de cadeau concernant le suivi de vos livraisons à propos du jeu. Notre service clientèle vous répondra sous 24 heures du lundi au vendredi. Ah, mais on fait quoi de ces gains? Est-ce que je peux pas revenir en arrière? Non, on va voir. Je vais essayer de sortir du menu niveau 13. On va aller à la maison ici. C'est quoi la maison? Je suppose qu'il y a quelque chose. Surprise Blast. Là, les réglages, contactez-nous. Profil, chasse au trésor, règlement. Il y a quelque chose dans le règlement. On va aller voir. Ah non, bah, ça c'est. Non, ça m'intéresse pas. Bon, écoutez, je sais pas trop. En tout cas, le jeu est vraiment très addictif. Je sais pas ce qu'on fait avec sa cagnotte, mais ce jeu s'appelle Prize Blast. Et bon, on évolue, on cherche des trésors. C'est plutôt sympa et ça passe, hein, le temps, on va dire. Voilà, les amis. Et bah, écoutez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.